Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fifou, et on se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ça fait longtemps que je n'ai pas continué, parce qu'avant j'avais fait un épisode bonus la semaine dernière, mais là je vais continuer l'aventure. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait le Temple de l'Ombre, il me semble. Donc là, on va aller à l'endroit où Ganondorf a vu le jour, c'est-à-dire au désert Gerudo, bien évidemment. Donc on y go, alors, attendez, tout est opérationnel. Ah oui, bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode bonus numéro 2, vous devez savoir que maintenant j'ai l'épée Bigoron. Donc la grosse épée qui coûte. Bon, les cartes de cœur, j'irai les chercher un autre jour. Donc la grosse épée Bigoron qui fait très très mal. Attention! Bang. Je crois me faire peur. Donc voilà. Donc je sais pas combien de temps il va durer cet épisode-là, il va durer pas très longtemps. Bon. Donc voilà, au désert Gerudo, donc c'est parti, on se lance les gars. Donc viens par ici toi. Viens par ici, Epona, allez! Excusez-moi. Excusez-moi pour merci, non. Allez, viens mon fidèle destrier. Bon alors, il faut aller par où? Par là. Bon là c'est un mur. Ah, c'est un mur, je suis d'accord. Il va déjà faire nuit. Ah, c'est un peu gênant qu'il fasse nuit. Bon, c'est pas très grave, mais bon. N'empêche, même si vous n'avez pas Epona, vous pouvez comme avec le grappin rejoindre les autres endroits, etc. Enfin, ça marche normalement très très bien. Je crois que c'est pour être. Ouais, c'est pour... ouais, c'est possible. Ouais. Y a pas un truc qui est caché là? Il me semblait qu'il y avait un quart de cœur ici, mais je peux pas aller chercher. Oh quoi? Le désert! C'est là où Ganondorf a vu le jour! Ouais, j'ai dit exactement ce qu'elle a dit quoi, c'est anticipé. Oui. Oui, en fait ils se sont fait kidnapper ces hommes, donc il fallait aller chercher ces hommes pour qu'ils puissent réparer le pont. En fait, ils se sont fait tout ça, tous tuer, enfin, tous se choper prisonniers par les demoiselles. Donc, on va y aller, hein. Je pense qu'il va pas tarder à faire jour. J'ai 23 flèches. J'ai pas grand-chose comme niveau flèche, hein. Ok, c'est bon. Je me disais, je vais où là? Donc, nous voici. Bon, il va assez sombre. Hein. Forteresse, Gerudo. Notons qu'ils ne dorment jamais, Gerudo. Ils ne dorment jamais. Ils sont des fans. C'est quoi ça? Ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que quand elles sont au sommeil, elles se réveillent plus. Alors dans Majora's Mask, elles peuvent se réveiller. Elles peuvent se réveiller que là, elles se réveilleront jamais, donc ça va. Par contre, j'ai des flèches. Sinon, j'étais un peu juste pour finir le mois. Donc, on prend la première porte qui suit, hein, vous voyez. Après, on peut, bon, si on se fait choper, on peut être prisonnier directement. Fais gaffe. On peut être prisonnier, là, on est dans la mouise. Et toi là, les gars, regarde par là dans la cellule. Il a ah, un machin, un gars prisonnier. Je sais pas d'où tu viens, mais tu dois être fort. Et je crois qu'il y en a 4 à sauver. Fais-nous sortir de ce traquenard et nous te rendrons un grand service. Je regarde juste l'heure qu'il est, excusez-moi. Il est 22h47, ok. Oui. Alors, notons que quand même le PV Goron est quand même pliante. Hein. Ah oui, faut faire gaffe. Ah voilà, donc là. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Quoi, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Voleuse Gerudo! Il faut faire gaffe!
Il faut bien jouer. Parce que là, quand elles font une grande attaque, elles font très mal. Si jamais elles font une grande attaque qui fait hyper mal, là par contre, je vais avoir très mal. Et là, parce qu'elles peuvent m'étourdir. Hein. Donc m'assommer et tout, quoi. Allez! Je m'en fiche, t'es mort. Ouais, j'ai la clé. Ouais, parce qu'il faut battre les gardiennes, là. Et obtenir la clé pour libérer le mec. Par contre, je sais pas si on... le gars, il est content, quoi. C'est... Salut, mec. Il roule ouvrier. Je vais les sauver. Après, ça va devenir de plus en plus dur. D'autant que quand même, c'est assez comique la façon qu'il se barre, quoi. C'est... Waouh. C'est... Ouais, le mec, il est trop content, quoi. Donc... ouais, mec, mais je suis où, là? Mince, pardon. Salut! Bon, ils m'ont pas vu. Elles m'ont pas vu. Dans Majora Mask, c'est plus facile de vous mettre le masque de la pierre, c'est bon, quoi, ça passe direct. Là, par contre, attention. Là, je sais, je vais me faire niquer. Ah, vous voyez ce que j'ai vu, là? Vas-y, approche. Allez! Nickel. Oh la vache, j'ai du monde là. Okay, ouais, donc là je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas l'intérêt d'aller là. Bon. Par contre, ce qui est embêtant, je n'ai pas beaucoup de flèches qui va être un petit peu juste. Donc, il faudra à mon avis que j'aille là, mais à mon avis, je vais aller par là-bas. Bon, voilà, sommet. Ah, mais c'est des rubis, mais je m'en fiche, je suis à 484 rubis là. Excusez-moi, j'ai un rhume. Donc, ah, c'est cool ici. Voilà. Et heureusement qu'elles sont myopes, hein, parce que j'oserais même pas imaginer si elles nous voyaient. Hein. Ah, si j'ai pas, je me fais gauler, parce que la blanche, elle est soit pas de nous repérer. Et là, après, il y a une qui lève les mains. Oh, bah, excusez-moi, ah, excusez-moi, excusez-moi, et puis là, tu fais avoir. Donc, voilà. Bon, ça va, pour l'instant, je joue bien. Je me suis pas trop fait choper. Pourquoi il faut vraiment que j'obtienne des flèches, parce que je vais avoir du mal, sinon. Et dans la flemme de m'en donner 50, ça? Oh, je suis à 500 rubis maximum. Oui, bah c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Oui, bah c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Ouais, salut! Ça fait vachement mal, cette épée. Surtout, c'était la manière qu'on peut faire comme ça, ça fait horrible. Ça fait horrible, c'est horrible, c'est horrible, ça doit faire vachement mal. Oh la vache, j'ai défoncé. Il s'appelle Julio, ok, content. Ouais. En fait, le gars, comment il peut savoir quand j'en ai encore deux à sauver? Il sait, il se transmet le mot par quoi, là? Par téléphone ou par pigeon voyageur, parce qu'ils sont balèzes, hein. Donc! Bon, déjà, ça avance bien si j'arrive à me débrouiller comme ça. Donne-moi des rubis au lieu de faire ça. Mais non. Regardez, franchement, cette épée est quand même pliante. Et admettons, elle est pliante, cette épée. Parce que quand même, sacrément grand, hein. Donc, on va monter par là, et on va faire... Oh là là! Si je vais par là, il y a quoi? Bon, j'allais par là, puis... De toute façon, si je... Excusez-moi. Excusez-moi. Si je vais par là... Je sais pas où je... Vous savez, je vous dis tout de suite, je sais même pas où je vais. Je vais au... Le chemin qui m'intrigue, et puis voilà, ouais, j'y vais. Je vais au... Le chemin qui m'intrigue, et j'y vais. D'accord, donc c'est par là, ok. Mais je m'en bats les steaks. Donc, je vais pas aller là tout de suite. Je pourrais y aller, mais ça m'intéresse pas encore tout de suite. Oh, puis je vais y aller. C'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. Est-ce que je suis assez malin pour pas... Attendez, je peux leur faire ça aussi. Genre? Ah, c'est les fiches, mais ça me semble pas ok.
Je veux des flèches. Bien. Et il donne des... Ah, il y a des infos. Ah, il y a des infos. D'accord. Voyons par là. Donc je monte. Il va y avoir quoi là? Ah, il y a un truc là. Oh, cool. C'est cool vu qu'il fait nuit. Voilà. Il y a quoi là? Rien. Rien. Je vais par là. Je sais même pas où je vais. En fait, je vous dis tout de suite, je sais même pas où je vais. Je vais au chemin qui m'intrigue et tout. Puis j'y vais. Là, je sais qu'il y a un quart de cœur, mais malheureusement, je peux l'obtenir parce que du fait que. Bah, il faut appeler le. Il faut aller chercher l'épouvantail, il me semble. Ah, quoique. À moins que ça passe. Attendez. Roulade? Non, mais si je fais une roulade, je me. Oh, je peux faire une roulade? Non, ça marche pas. Y'a quoi là? Y'a rien! Voilà. Oh, c'est pas possible, fallait pas. Ah, c'est quoi? Non! Je refuse de me retaper tout le chemin, ok? Mince! Ah, quoi que je peux là. Bon. Je comprends plus. C'est quoi le délire là? Par là ou par là? Oh, je sais pas où faut aller. Bon, je vais par là. Parce que je me répète, je sais même pas où faut que j'aille. Donc, j'ai déjà été ici. Mais j'ai pas envie d'aller là. J'ai envie d'aller là. Je sais que j'ai déjà été ici, mais je. Bon, reste, tu dois trouver, ça va le faire. Allez, mec. Bon, moi, ça fait des flèches. Voilà, j'ai des flèches en plus. Allez, hop, des flèches pour Bibi. Nous sommes à 12 minutes, donc le but c'est de trouver les 4 machins, et après une fois j'ai enfin, les 4 soldats, les 4 ouvriers, une fois j'ai trouvé les 4, je me barre quoi. Enfin j'arrête de jouer. Ce qui n'est théoriquement pas trop dur. Bon, ça peut mettre du temps. Mais c'est un vrai labyrinthe par ici quoi. Bon, je vais prendre ce petit chemin là. Yo, chemin. Prenons ce chemin côté plaisir. Oh la vache. Ouah, oula. J'ai vu un soldat. Tiens, mange. Nickel, un troisième soldat ici. Enfin, un troisième ouvrier. Sauf que là, c'est le dernier. En théorie, c'est le dernier ici. Bon. Allez, viens par ici, toi. Ah, je l'ai violé, excusez-moi. Allez, donne-moi la clé pour Bibi, allez hop hop hop. Voilà. Salut mec. Jippo. C'est comme, j'ai presque comme Jumbo. C'est Squeezie. Bon. Bon. Le dernier ouvrier ne doit pas se trouver bien loin. Ah mais il court vite le gars. Ah, il est déjà sorti. Non mais. Qu'est-ce qui me tue? Mais qu'est-ce qui me branle? Pardon. Bon. Admettons, c'est pas grave. Link il a un bon petit problème. Donc, si je vais pas par là. Je peux aller par ici. Je trouve que c'est même pas là que je dois aller. Il y a tout un traquenard à faire là. What? Par là? Non. C'est ici? Ah, cool, c'est ici. Cool, c'est ici, alors. Bon, écoutez, voyons, on se balade et on trouve le chemin. Et tu vas vite, tu regardes, je sais pas d'où tu viens, mais tu dois être très fort. Oui, donc, tiens. Ah, attention! Ouais, salope. Oh, elle l'a senti passer, ce coup-là. Ah, vous voyez quoi, là, ce qu'elle faisait, là? Elle préparait une attaque. Et si je m'étais pris en pleine poire, bah... Elle m'aurait assommé. Et là, après, il m'aurait fait... Personne ne résiste au Gerudo. Et là, hop, l'atoll. Et vous n'avez pas visité l'atoll, en plus.
Bah, je me ferai plus choper maintenant parce que vu que j'ai réussi à y aller à faire retour sans me faire choper pour une fois. Ouais, il y a deux épreuves à faire. Une traverser le désert. Non, je sais pas, enfin, traverser le désert, je sais plus quoi. Et ouais. Une trompe de l'esprit. Et là, je me ferai plus choper. Cool, hein? Bon. Alors maintenant que je vais me faire choper, bah c'est cool. Et on va pouvoir aller plus loin. Bon bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Et ouais déjà, on va s'arrêter là, un petit quart d'heure. En plus cette ville elle apparaît qu'une fois dans l'histoire. Bon c'est bon. Il y a le domicile, ok je sais ce que c'est. Alors bon écoutez, je pense que je vais être direct. Hein. Bon j'espère que la vidéo vous a plu. Moi n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, éventuellement commenter la vidéo. Alors ici, ce qui est amusant ici, c'est le gymnase Guirudo, là, là. Bon, j'ai pas envie d'y aller tout de suite parce que bah, ça m'intéresse pas. En fait, si je pourrais y aller, je suis bête. Là, il y a un mini-jeu sympa, mais je peux pas y aller tout de suite. Ah, si je peux y aller, je suis bête. Je peux me choper un quart de cœur ici. Je vais chercher le quart de cœur. Bon, allez, non, non, je fais ça dans une autre vidéo. Je pourrais faire le désert Guirudo, le. Comment on... Ah! Je pourrais le faire le mini-donjon là, le gymnase Guirudo, je pourrais le faire. Ah, salut! Et hop, maintenant elle peut me parler. D'accord. Oui. Donc admettons que, quand même que. Alors ici c'est la sortie, là-bas il faut que j'aille là-bas pour aller sortir pour aller dans le désert. On va s'arrêter là. Bon j'espère que la vidéo vous a plu, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, notamment commenter la vidéo. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Donc à commenter, puis à partager, puis sur tous les réseaux que tu veux, moi je m'en fiche personnellement, tu fais comme tu veux, tu t'amuses, etc. Bon bref. Oui, donc je... Oui, je vais garder. Là. Allez, moi je vous dis ciao et à une prochaine fois. Et il y aura probablement un live ce vendredi de cette semaine. Donc si t'es intéressé, ne loupe pas. Hein. Allez, bye, c'était le 22e épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time.